Et coucou tout le monde, c'est Rayton pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que la petite vidéo au début vous a plu. Donc vous avez bien deviné, je suis allé à la Paris Manga et aussi à la Sci-Fi Show, c'est le même endroit, c'est le même genre. Et du coup, j'ai ramené pas mal de choses qui pourraient vous intéresser. Donc je vais vous présenter un par un les objets et à la fin vous verrez, il y a quelque chose de très très spécial dans la vidéo que j'aurais jamais fait. Donc je vous présente un peu tout ça. Donc nous avons d'abord le truc débutant, le pack débutant. Nous avons pour 5€, c'était à peu près une affaire même si je l'ai déjà donc je ne déballerai pas. C'est un deck de World of Warcraft, Porte des Ténèbres, avec dedans deux boosters, tchouk, assez sympathique, donc un deck pour jouer au jeu de cartes World of Warcraft que j'adore. Là je sais, je ne l'ai jamais dit sur ma chaîne, mais je suis un énorme fan de Zelda, donc Zelda, Mario, Pokémon, surtout Pokémon dans les 3. Et j'ai découvert cette affiche pour seulement 6€. J'étais obligé de la prendre pour décorer ici. Il nous fallait cette affiche les amis. Elle est trop belle. C'est une affiche de Link, donc comme je disais, elle est vraiment super belle. Elle est assez dynamique, j'adore. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Cette affiche, il me la fallait pour compléter ce mur qui est complètement... cool. On va la mettre là, celle-là on va la bouger un peu plus, enfin je sais pas, on fera un truc. J'étais vraiment obligé de la prendre les amis. Vu que vous savez, peut-être ou peut-être pas, j'aime bien Pokémon et du coup, j'ai craqué. Ce t-shirt est vraiment trop beau. Avec Dracaufeu, avec ses lunettes de soleil, moi j'ai trouvé ça super joli. J'étais obligé de le prendre, j'adore Pokémon. J'en ai peut-être jamais fait sur la chaîne, peut-être que vous savez pas que j'aime bien ce genre de jeu. Mais dites-moi en commentaire si ça vous plairait peut-être un peu un gameplay sur Pokémon, un de ces quatre. Que ce soit Donjon Mystère ou les versions basiques. Mais pas trop les nouvelles parce que ça m'intéresse pas trop, plutôt les anciennes. J'ai découvert ça, ça a l'air fun. En gros c'est un truc... Là il y a le titre d'un jeu, par exemple moi du coup c'est World of Warcraft. Et à l'intérieur vous avez un objet random d'une valeur de 30€. Et j'ai acheté ça à 25€. Et du coup c'est ça contient un item ou des items de cette valeur là. Donc il y a donc comme je disais celui-là à 25, mais il y a aussi celui à 15 et jamais 203, nous avons celui à 60€. J'avoue je sais rien, j'avoue j'ai craqué, mais j'étais obligé de prendre ça les amis. Et du coup je pense qu'on va faire une ouverture. Donc attendez 2 secondes, on fait une ellipse comme ça. Et donc on est là, on est de retour pour déballer donc les petits sacs comme ça. Donc on en a 3, dont le méga gros à 60€. Donc on va partir dans l'ordre. Donc on va ouvrir ces petits sacs papier. Va-t-on avoir du loot? Attendez, c'est un peu la galère. Alors. Attendez, c'est deux objets séparés ça ou... Oh, du plastique! J'ai toujours aimé le plastique. Du plastique sous blister. Bon allez, on va tester le deuxième, de toute façon on va avoir de la chance. Ah. Oh, un pins. Oh, un pins d'Arthas. Donc le roi Lich. On va se mettre là, voilà comme ça on veut dire. Joli pins. On va le mettre ici, tac. On a autre chose à ce qui paraît. Ah, ok donc. Ah putain, je me défonce les mains. On a deux. Oh, ah ils sont trop beaux. On a un pins aile de mort qui est vraiment trop classe. Oh, Et un pins boomy. Oh ils sont trop, enfin druide. Oh c'est trop beau. Ah c'est ça, c'est la classe. Et nous avons autre chose apparemment. Il y a pas d'autres pins. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? What? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Attendez. C'est quoi ces conneries? Oh ok, ça s'ouvre comme ça. What? Ah, c'est un jeu de cartes World of Warcraft avec Idan, chroniqueur chaud et tout. Attendez, mais c'est génial ça. Attendez, c'est quoi? Putain, mais sérieux, c'est quoi ces cartes? Sérieux. Voilà, donc là j'ai réussi, donc vous avez si vous entendez du bruit en fond, c'est pas ma faute, c'est les portes et tout, ça c'est la famille. Donc bref, on a réussi à l'ouvrir, alors regardons un peu les cartes, je trouve que c'est 10 Kroniger Show. Ah regardez, ah c'est sympa, on a d'orques, on a un gnome, news oui. Ah c'est sympa, un jeu de cartes World of Warcraft, franchement, je l'attendais pas, bien sympa hein. Oh, tra, il y a même des images du jeu. Ah, ils sont pas fous les parents pour certaines images. Ah, bien cool, bien cool. Et le Joker, évidemment, c'est le roi Lich. Bon, franchement, cool. Je m'attendais vraiment pas. J'espère qu'on aura un truc bien, du coup, pour les autres aussi. Alors, regardons ça. Donc, 25€ de valeur. On va voir ce qu'il y a dedans. Oh, merde. Ok, bon, là, j'ai rien respecté. On y va à fond. Mais je crois que là, par contre, il n'y a pas beaucoup de choses dedans. J'ai regardé à peu près. Enfin, genre, ça. What? Non. Non. On a un griffon. On a un petit griffon. Avec le logo de l'Alliance super mal fait. Oh, il est trop cute.
Oh mon dieu, on a un bébé griffon. Y'a autre chose dedans ou pas? Je crois qu'il le donne à chaque fois ça maintenant. On a des pins. Mais cette fois ils sont emballés. Qu'est-ce qu'on a alors? Oh shit. Donc on a ça, joli pins. On a celui-là, oh ils sont moins beaux je trouve. Mais il y a un pins Warlords of Draenor. Bien la classe celui-là. Bon, un peu raté, mais c'est la classe quand même. On a notre petite collection de pins, là, qui commence à s'agrandir, et notre petit jeu de cartes. Donc, sympa, un petit griffon. Allez, on continue. Maintenant, je ne veux plus aucun bruit, nous allons passer au mastodonte. Donc, par contre, lui, je sais pas si on va réussir à l'ouvrir ici. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Putain, et ils mettent un max d'aggrave, j'ai super mal aux mains, je saigne. Ouf. Bon, eh bien, on change pas une équipe qui gagne, je pense qu'il le donne à tout le monde, du coup. Un pins comme ça. C'est très stylé. Et un pins... World of Warcraft, banal. Non! Non! Oh mon dieu! C'est celle que je cherchais! Elle est trop classe! Indan hurle rage! La figurine collector! Elle est trop trop belle! Oh mon dieu! Oh la classe! Oh ça c'est... Non mais ça c'est du lourd. Je vous montre un peu la boîte, même si c'est un peu galère. Oh mon dieu. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Alors celle-là, les gars, elle va direct dans ma collection. Elle est sublime. Ah franchement, je pensais pas avoir ça. Mais là, je suis aux anges. Franchement, c'est une super ouverture. C'est complètement fou. Donc vraiment cool. Je crois pas qu'il y avait autre chose dans le paquet. Ah, il y avait un troisième pins Worgen. Voilà. Donc les amis, je récapitule. On a eu cette belle figurine. Fantastique collection de pins en tout genre d'Azeroth, de World of Warcraft, etc. La petite peluche et même un jeu de cartes. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite toujours à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours ultra plaisir, à vous abonner, à me dire quel est le cadeau que vous avez préféré en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde, ciao.